Wesh wesh canapèche, aujourd'hui on se retrouve pour un concept diabolique. Et ça c'est vrai, c'est vraiment très diabolique. Comme vous pouvez voir à ma gauche, il y a monsieur Gil, salut Gil. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Ouais ça va, mais ça va pas très bien aller dans 5 minutes là. Je t'avoue ouais, que là... Ouais mais ça c'est autre chose, ça tranquille. Ça va pas bien aller là, là je le sens là. Et à ma droite, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas Nino. Voilà, c'est un robot tueur qui en veut à la vie de Gil actuellement. Effectivement, il y a un mois de ça environ, j'ai fait une vidéo assez particulière où je me faisais chasser par 50 mois. J'ai décidé de reprendre ce concept, mais d'inviter des gens et de voir comment ils gèrent en fait. Et donc, j'ai invité Gil, qui est un professionnel de Minecraft. T'as combien d'heures de jeu, rappelle-moi? 3. Ah bon, merde, je croyais un peu plus. Comment je fais, merde? J'ai dit que c'est un pro. Non, mais tu mettras nous, mais c'est pas grave. Il a 32 000 heures. Wow! Non, non, en vrai, il dit des conneries, hein. Gil est fort au jeu, c'est pour ça que je l'ai invité. Gil a 45 minutes pour aller le plus loin possible dans l'aventure Minecraft, donc c'est-à-dire aller dans le Nether, chercher des perles, aller dans l'End, etc. Sauf que 20 robots tueurs vont essayer de l'empêcher pendant cette petite aventure. Là voilà, j'ai préparé le terrain, il y a exactement 20... Fais gaffe, arrête de te faire tabasser la gueule, ouais, ça a même pas commencé. Je vais lui casser la gueule, je veux tuer Nino. Donc vous faites pas avoir, hein, il y en a pas qu'un seul, hein, vous pouvez voir ça via le nom, hein, il y en a exactement 20 côte à côte. Est-ce que t'es prêt, Gil? Je suis prêt, quand tu veux mon gars, vas-y. Je les ouvre. C'est bon, oh, c'est parti. Ok, c'est bon, ils sont vachement vénères. Ouais, là, à mon avis, ça va être compliqué, quoi. Alors, il y a aussi la POV de Gil, donc quand il fera des beaux moves, bah on pourra la voir, tout simplement. Sinon, c'est moi qu'on peut regarder. Le truc, Gil, ce que je ne t'ai pas dit, si t'es trop loin d'eux, il se TP à toi, en fait. Ouais, donc, du coup, voilà, là, ça va être un peu compliqué, cette histoire, mais bon, vas-y, on va s'en sortir. Tu vas beau courir, ils vont te rattraper tout le temps. La petite stratégie, je pense, pour commencer, qui serait pas mal, là, c'est de trouver peut-être un village. Le truc, c'est que là, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à côté. Et moi, t'as une hache en netherite, je te dis d'en profiter pour buter des mobs. Hein, que... ouais. Attends, est-ce que tu penses que je peux les... Oh, bah, ils sont déjà là, en fait. Ok, ils sont TP, en fait, j'avais pas vu, effectivement, oui. Ok, oui, effectivement, c'est un peu... Oula je me sens un petit peu harcelé, messieurs. Est-ce que ça va? T'as pas trop du mal, déjà, là? Va falloir me laisser tranquille, là, je n'ai pas signé pour ça, en fait. Là, je... Ah allez. Tu t'en sors, Gil, ou pas? Je pense que t'es un peu en PLS. Non, ça va bien. Non, franchement, ça va, mec, ça va. Franchement, tu sais quoi? Non, en vrai, je vois pas de quoi tu parles. Y a pas de problème, ça va bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pourquoi il est encore ici, là? Il s'était fait derrière toi, je pense. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc voilà, c'est ça le principe du jeu, c'est que c'est vraiment dur parce que les bots sont vachement forts quand même. Attends. C'est des bots, hein. C'est pas censé être. Mais c'est 20 noobs cheatés, mon gars, là. C'est pas tu me trolls pas avec 20 noobs, là. C'est 20 noobs cheatés, là, mon gars. Là, ce qui aurait été vraiment cool, c'est d'avoir un village dès le début. J'aurais pu avoir masse de bouffe et tout, mais là, y a que dalle autour, donc bon. Si tu veux, je peux être ton GPS, hein, pour t'aider un peu. Ah ouais, non, mais là, le biome qui est en face, il est différent, là, hein, je vais te le dire. Ah bon, t'es pas trop loin, tu devrais voir quelque chose au loin. Oh non, là. Non, j'ai compris, c'est un super ice spike, ouais, j'ai vu. Attends. Il y a ce que j'aime bien, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, et ça... Non, t'as pas de chance parce que c'est le village où il n'y a pas de bouffe ici. Non. Et dans ces genres de villages, il n'y a pas de bouffe. Non. Par contre, il peut y avoir de l'armure, en vrai. Attends, déjà, en vrai, il y a de la bouffe là, déjà, ça c'est pas mal. Déjà, je récupère au moins ça, parce que là, pour l'instant, j'ai que dalle, donc au moins, ça me servira toujours pour avancer. Alors par contre, monsieur, il va falloir me lâcher ma veste, là, en fait, là, voyez-vous, ouais, là. Il y a déjà des ninos qui te tabassent la gueule, ça me fume. Ah, ça j'aime bien. Vas-y, Gil, vas-y, il y a 3 ninos derrière toi, tranquille. Ça, j'aime bien ce que je vois en face, tu vois. Alors, je pense que essayer de les tuer, c'est une mauvaise idée, je pense. À mon avis, me boîte complètement si j'essaie de le faire. Bah c'est surtout qu'ils sont en groupe, c'est ça le problème, on va dire. S'ils étaient pas en groupe, ça irait, mais ils sont en groupe. Faut que j'arrive vraiment à survivre juste le temps de trouver ne serait-ce qu'un océan ou un truc comme ça où je peux me casser avec un bateau. Parce que je pense pas que dans l'eau ils vont réussir à me suivre parce qu'ils peuvent pas crafter des trucs. Ça c'est le début du jeu, ça tu vois, c'est le début de tout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Regarde, il y a une grande étendue d'eau, là je suis tranquille. Hop. Ah oui, tu vas pouvoir utiliser le bateau, quoi. Bah, c'est surtout que là, au milieu de l'eau, je vais pouvoir au moins manger quelque chose. Et là, voilà, là on est pas mal. Là, je peux manger, je peux me mettre bien. Ouais, regarde, ils sont tout lents dans l'eau. Regardez les gros nuls de Nino là. Je veux juste me barrer de là. Oh mon dieu. Ça lag. Non, c'est trop, c'est difficile. C'est bon, c'est parfait. T'as eu chaud de ouf. Je te jure, t'as eu chaud de ouf. Hein. On va voir, hein. Déjà, si j'arrive à aller dans le Nether, déjà, ça sera plutôt pas mal, je pense. Hein. Je ne pense pas que tu vas réussir à aller dans le Nether. Ouais, je pense pas, non, surtout qu'ils sont juste là. Ils sont juste à côté de moi là. Regarde, ils s'étaient fait, ils sont juste derrière toi là. Ils veulent ta mort, mec. Oh, salut, mec. Oh, un village. Attends, mec, c'est maintenant. Là, il y a de la bouffe. Hein. C'est-à-dire que là, bientôt, je ne pourrai plus courir. Essaye de manger, ok, t'as réussi à manger. On essaie, mon gars. Attends, il y a de la bouffe un peu là. On récupère. Un ou deux, vite. Au moins ça. Voilà, c'est bon, on en a au moins un tout petit peu, c'est déjà y a ça, mon gars. Les nous qui sont là. J'ai encore deux de bois, j'ai plus de blocs. Alors là, faut que j'arrive à trouver maintenant un petit océan pour me barrer. En vrai, je laisse le bateau là, je reviens ici juste après. Regarde. Oh, tous les mobs devant toi. Il y a au moins 10 squelettes là. Oh là. Faut là, vraiment oh là, que tu sécurises oh là, ton spawn. Oh, hein. oh là. J'ai vraiment 3 cœurs et demi. J'ai 3 cœurs et demi. J'ai 2 oh cœurs et demi. Oh mon dieu. J'ai 2 cœurs et demi. Ça va le faire. Mais c'est quoi tout ce spawn? Qu'est-ce que c'est, mon gars? Je te jure, c'est pas moi qui l'ai fait spawn. Ok, attends. Est-ce qu'il y a une maison là-dedans là? Casse-toi. C'est bon,
C'est bon. Ok, t'as dodo, ok, parfait. Tuez-moi, c'est pas grave, tuez-moi. Quoi tous ces mobs, mon gars, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, frère? Mec, il y avait 750... Mais regarde en face, Yusuke, hein, c'est pas possible. Ce n'est pas moi qui l'ai fait spawn, hein, vraiment. Non, mais je te crois, hein. Ouais, ils sont à mes trousses, mais en vrai, si j'arrive à aller en cave... Alors, ils peuvent pas se TP en cave, donc l'idéal, c'est que... Mais par contre, ils peuvent casser des blocs, ils viennent de casser des blocs. Oh la merde. Donc, maintenant t'es dans les grottes, et je ne sais pas où ils sont eux. Ils sont à côté, ils sont à côté. Oh mon dieu, oh, ils font flipper. Parce que moi je les vois en train de miner, hein. Ils font méga flipper. On va faire, en vrai on va tenter la stratégie un peu risky, on va juste creuser sous nos pieds. On va essayer d'aller chercher du fer. En vrai, là où tu vas, je peux t'aider, hein, il n'y a pas de grotte. Je sais pas, genre à la limite même du fer ou un truc comme ça. En vrai, je suis pas très loin de faire quelque chose là, hein, en vrai. Non, t'es pas loin, non. Oh, je te jure, je les vois miner à côté de toi, en fait ça me fait flipper, même pour toi. Oh, il y en a un qui a trouvé du diamant, ça me fume. Est-ce qu'il va miner vers moi? Ah oui, là, il mine vers toi, là. Oh, il y a un Nino qui est pas loin de toi, là. Oh, mon Dieu. Ils sont en train de tous les deux de remonter. Il y a un Nino qui remonte en même temps que toi, mec. Et vu que c'est un bot, il remonte vraiment vite. Oh. Nice. Bah, il y a du fer au-dessus, hein. Les autres Nino sont assez stupides, je vais pas te mentir. Ils ont du mal à venir vers toi, mais ils arrivent petit à petit. Pour moi, je vais continuer de manger un peu. Ah, ils arrivent tous, en plus. C'est ça, le pire. Ouais, hein. Je te conseille de fuir, là. Hein. Je savais que les caves, ça allait être le moment le plus intense. Et ça, j'adore, là. Te voir en train d'essayer de fuir les Nino, je trouve ça trop bien. Il te reste 20 minutes de jeu. Gil. Ok, ça marche, mec. Oh oui, ils sont juste à côté de toi, ouais. Ok, bon, là maintenant j'ai un saut. Que Gil va y arriver, ça c'est une vraie question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser. Bon, là, visiblement, il y a pas grand chose dessus. J'ai un petit problème là de Nino, je crois, mec. Hein. Ah, va falloir que t'essayes de le buter, hein. Il est vraiment juste à côté de toi, hein. Ok, nice, ouais, c'est bon, ça c'est bien. Bon, je le bute. Voilà, okay, bien joué. Ah, il a fait le con de Nino, là. Mec, je vais le baiser, là. Vas-y. Ah, oh, oui, d'accord. Oh, il te tape à travers les blocs, hein. C'est un cheater, hein, je tiens à le dire. Hein. Il est mort. Oh, t'as eu chaud. Il y a un Nino qui est mort dans la lave, par contre. Et là, il y a un gang de creepers. Voilà, un endroit pas du tout à aller. Mais dis-moi maintenant, comment tu vas faire sans eau? Bonne question. C'est juste qu'en fait, là, je voulais de la lave surtout pour me débarrasser d'eux. Je pense que. Okay, après, je pense que dans une cave, je peux trouver quelque chose. Mais là, bon. De base, je misais sur une cave où il y avait de l'eau dedans. Mais là, ça a l'air compliqué. Hein. Ah, déjà, t'as réussi à trouver une cave avec de la lave dedans. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as fait des échelles? Ah, tu vas remonter. Je vais remonter en creusant 2 sur 2. Je prends de l'eau, je redescends ici. D'accord, ok. Pas con l'histoire des échelles. Comme ça, au moins, tu sais que tu peux remonter par là. Par contre, au-dessus. Voilà, je te dis juste de regarder au-dessus. Ah, ouais, y'a un problème là. Comment tu vas faire là? Oh, beau saut d'eau! Oh, beau saut de lave! Bien joué à toi, Gil. Merci, mec. En vrai, les sauts de lave, c'est vraiment pété de fou, mec. Hein, je te jure. Hein, c'est vrai que c'est pété quand même. Ah, j'aime trop le concept, j'adore le concept, c'est trop bien, j'aime trop. Mais là, ils reviennent, hein. Oh! Ok, t'as réussi à en buter un, c'est déjà pas mal. Oh putain, il pose le bloc et tout. Oh, bien joué, ça. Donc maintenant, t'as un seau d'eau et donc tu vas pouvoir aller faire ton portail du Nether. Ouais, et là, ça va changer un peu quelque chose. Il te reste 5 minutes de jeu, Gil. Oh là là. Ok, t'as réussi, bien joué. Ok, et là, normalement, s'il tombe en bas. Alors, j'ai un problème, c'est le gravier. Là, j'ai un problème, c'est le gravier. Il me faut du gravier. Au moins, aller dans le Nether. T'as réussi à avoir le seau d'eau, t'as réussi à trouver un lac de lave. T'es pas mal, en vrai. Putain, le portail a été fait de la part du joueur français. Il y a un Nino là, donc tu vas faire gaffe. Il est mort. Ouais, en vrai, le saut de lave, c'est vraiment cheaté, hein. Je vais par là. Là, faudrait juste que j'arrive à trouver. Ouh, une petite grotte. Y'a pas du gravier par là déjà? Ça serait pas mal que je trouve un petit peu de gravier. Y avait un Nino qui était passé par là. Je me suis dit tout à l'heure. Oh, y'a beaucoup de creepers aussi. Faudrait faire gaffe. Je l'ai fait exploser. Oh, y'a du gravier. Et y'a un Nino qui est mort par un zombie. What the fuck? Y'en a un qui arrive là-bas, mais là, je crois qu'on est pas mal. Là, mon cher Ninjak, je pense que nous sommes pas mal. Y'a là. Oh mon dieu. Ils sont tous TP derrière toi. Dépêche-toi, bouge ton cul. Allez, salut les noobs. Ok, nice. T'as réussi à aller dans le Nether. Ah mais là, il y a les Nino qui arrivent, mec. Je sais pas où t'es exactement, mais ils viennent de passer le portail eux aussi. Et là, ils sont en train de monter. Hein. Oh, y a des Nino qui tombent du ciel, mec. Oh shit. Oh shit. Où sont les Nino, là? Je les vois pas. Je me prends des coups, je sais même pas où ils sont. Je te jure, ils tombent du ciel. Où sont les Nino, là? Tu m'expliques, là, cette histoire. Ils tombent du ciel, ils te suivent. T'entends les blocs? Oh. Il va mourir, nice, bien joué. Est-ce que tu vas réussir à trouver la forteresse ou le bastion du désespoir? Ah, attends, il y a un truc là-bas. Non, c'est juste un arbre. Tu vois pas. Écoute. C'est fini et en plus tu meurs. Voilà, ah bah voilà. Les Nino m'auront achevé. Mais moi je suis content, franchement, on a quand même fait un truc, c'était sympa. On a fait un bon truc sympa en vrai, ouais. Je tiens à le dire.